Comme salam wa rahmatullah wa barakatuh. Pensez-vous qu'il soit nécessaire d'être accompagné d'un guide pour son éducation spirituelle? À la base, c'est nécessaire depuis le hadith de Jibril, depuis Jibril alayhi salam, qui a enseigné au prophète alayhi salam et aux compagnons le degré de l'ihsan. C'est devenu une tradition qui s'est perpétuée dans la communauté musulmane avec chaîne de transmission. Maintenant, à notre époque, ça devient de plus en plus compliqué, au point où certains savants à notre époque ont dit qu'il n'y avait plus de Cheikh Tarbiyah, que ça n'existait plus. Et ils ont dit qu'on devait remplacer Cheikh Tarbiyah par le salat ala Nabi alayhi salatu wassalam, par la prière sur le prophète alayhi salatu wassalam. Et comme disait un des savants mauritaniens, j'ai oublié le début du vers de poésie, il disait au Cheikhou, laïssa kama taqra'u fi ibn Ashir. Il dit au Cheikhou, j'ai oublié la première partie du vers, mais en quelque sorte, il disait le Cheikh d'éducation maintenant, ce n'est pas comme tu lis dans Ibn Ashir, Yashabu Sheikhan Arif al-Masalik, Yaqihi fi Tariqi al-Mahali. Il dit ça, c'est probablement ça n'existe plus à notre époque, malheureusement. Mais bon, avec la science, avec l'éducation à travers l'étude de la science religieuse et avec la prière sur le prophète, alayhi salatu wassalam, principalement, on peut réussir à pallier, à combler ce manque-là d'éducateurs.